Gros l'orbeil manqué pété devant Palais National. Jodi an, agent USGPN yo même, yo te campé en quoi? Côté que te gen installation, nouveau secrétaire général de la présidence là qui t'a pral fait, Josué Pierre-Louis, qui t'a pral remplacer Lionel Valbouin. En ben, agent USGPN yo te campé en quoi? Yo pas de pièces moun entrer dans Palais National, sauf Josué Pierre-Louis qui était entré parce que monsieur c'est secrétaire général conseil des ministres, il était quitté monsieur entré parce que il gagne bureau dans Palais National. Après ça, tout l'autre chef qui vini, t'es obligé rester dehors. Monsieur USGPN yo campé king à la ganache, yo pas voulu personne entrer en dans Palais National parce que Lionel Valbois monsieur t'a écrit Ariel Henry l'a t'a apprendre yo pral remplacer par Josué Pierre-Louis il t'a écrit président Sénat républicain Joseph Lambert pour le dire ça Ariel Henry a fait illégal ça Ariel Henry a fait pas écrit en quel côté dans la loi monsieur pas gain ni droit ni qualité pour remplacer secrétaire général la présidence fanatique Jokanel Journal 9 mais on connaît Le pauvre haïtien dit porte en bois pas goma porte en fer. Actuellement là, c'est Ariel Henry lui-même qui est en position de force. Nous pral garder qui Jean Sartaye parce que même commissaire gouvernement Port-au-Prince là lui-même, li pat ka entrer. Jacques Lafontaine, monsieur était bloqué dehors à tout, li pat ka entrer. On garder image yo qui Jean Sartaye et on pourrait tout gagner quelques monde qui devine porter support yo à Josué Pierre-Louis et Ariel Henry. On suive qui Jean Sartaye. Je réagis en temps opportun. Est-ce qu'il a péri dans la demeure, commissaire? Je réagis en temps opportun. On ne comprend pas ce que vous dites. Vous pouvez changer, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous posez ce bagage, pas camper là. Mais c'est. Il est ou quoi avant ce week-end? Elle là, vous m'avez dit, vous passez. Thank you.
amis internautes, nous avons remarqué plusieurs hauts dignitaires qui sont allés dans le palais. Nous ne connaissons pas. Est-ce que José Perry a tout installé aujourd'hui hein? Ou bien, parce que nous sommes là pour nous faire vivre, comment ça y est? Installé comme secrétaire général palais national, je dis à nous-mêmes, comme militants, qui ont plus passé 14 ans que dans la bataille contre le régime PHTK, qui touillait Moun Nassaline, qui touillait Moun Riel Maya, qui touillait un paquet de monde dans le pays. Je dis à Horace Dixon, en mon nom propre, Sénat. Son gros journaliste chevronné. Ralph, ou son journaliste chevronné en dans le pays. Je dis à la, yo mette palais national qui c'est expression populaire en dans le pays. C'est pas nous tous les jeunes. Nous tapons bataille pour l'égalité en dans le pays. Pour libération économique, massive en dans le pays. Je dis à la, pas nous te nommer. Oui, présence, okay. Daniel, Sylvie qui ça là. Présence moi exprimée. Porte Dixon pas pour quelques jours. Nous là, nous accidenté plus passé 3 mois dans le pays. Je dis à nous vinn di oui avec installation José Pierre-Louis comme secrétaire général en dedans panel national. Nous dit oui avec Ariel Henry qui gagne un plan Marshall la main pour le dire procès Petro-Caribe. Libération prisonniers politiques à savoir Anel Belize, Kilik, Job, Babas, Gary Filemon, Tibekan, tout prisonnier politique. Je dis à nous rejoindre Ariel Henry comme premier ministre pays qui mandait libération économique pays, économique massio, libération prisonnier politique. Je dis à José Pierre-Louis, il doit installer comme secrétaire général palais national. Mais oubliez rappeler, c'est le président Jovenel Moïse qui était nommé ici comme premier ministre. Nous t'ai gommé contre Jovenel. Je dis à de fait, pas de aucun presque dans la constitution qui dit en 4e année mandat, président Jean Mouya qui j'en pour remplacer. Je dis à l'expression populaire, ils ont mis premier ministre de consensus que secteur démocratique là prône à travers un accord. Qui c'est encore 11 septembre là, dit que Ariel Henry, qui c'est premier ministre PIA, de fait, il choisit José Pierre-Louis comme secrétaire général palais voilà, national. Voilà, c'est comme ça, ça a été passé devant palais national, mais par la suite, nous,
yo te vin kite, en ben, véhicule yo même yo entré, l'autre monde officiel qui te vin participer dans l'installation nouveau secrétaire général de la présidence là, Josué Pierre-Louis, qui c'est un pion de Michel Martelly. Yon pion de Michel Martelly, parce que là, Michel Martelly a pris un pile fret, un pile coup de langue, un pile frappe, un pile critique, parce que li accepté chita dans même gouvernement, ou bien fait partie de un même gouvernement, avec un parti dans l'opposition, qui est André Michel Lenel Kassi, à un certain moment, il y a autant face Michel Martelly. Ah ben pour le moment, monsieur, dans même gouvernement, comme on connaît déjà, Ariel Henry, c'est un pion de Michel Martelly, qui gagne un pouvoir l'autre monde, comme Josué Pierre-Louis, qui fait remplacer Lionel Valbouin, il gagne ministre justice là tout, qui fait connaître Moun Martelly, c'est lui qui met le pouvoir, et bagaille ça, lever plume sous dos Jovenel Issio, parce que yo estime que ministre justice là Berto Dorsey monsieur était avocat Sogener. Nous songeons qui gros bataille gros duel qui était gagné entre Jovenel Moïse avec Sogener Dimitri Vob qui était obligé de camper loin dans Marol pas de approcher parce que Jovenel Moïse était coupé contrat Sogener était gagné à l'état haïtien pour vendre l'état haïtien courant ben Jovenel était estimé contrat ça il pas dans intérêt sociétal pas dans intérêt population c'était toujours gros bouche Louis entre Sogener avec Jovenel Moïse en pile mon estime que ancien avocat Sogener là qui vient ministre justice son farce son aiguille fait pour empêcher président Jovenel Moïse joindre justice son façon yo fait pour empêcher tout le monde qui gè droit yo trempé dans assassinat qui était fait sous ancien président Jovenel Moïse yo répondre question la justice et gè moun qui dit action ça a prouvé Michel Martelly dans complot. Bon, nous même nous pas connaît c'est ça mon a parlé. Je dis si Martelly campé comme ça, Jean Campéan, mais ça a montré monsieur fond dans complot pour assassiner ancien président Jovenel Moïse. Nous même nous pas montrer dans bagaille ça parce que Jovenel Moïse c'est Martelly qui est venu avec lui comme candidat à la présidence qui était fait campagne ensemble avec lui. C'est vrai qu'au petit moment nèg yo t'est arrivé, yo pas de fin d'accord. Nèg yo pas de fin entendre yo. D'ailleurs Jovenel Moïse était un gè parti politique pâle pour la voyer candidat pâle pour la représenter. Ça veut dire qu'il y a une séparation qui fait entre Michel Martelly et Jovenel Moïse. Bagayo, c'était je t'aime moi non plus. L'été dernier temps ça yo avant assassinat ancien président Jovenel Moïse. Donc bagayo pas douce et Jovenel Issio yo fâché au mauvais coucong parce que même ministre affaires étrangères Claude Joseph en plein monde dit même si après tirer tout le monde faut quitter Claude Joseph parce que Claude Joseph Gonjal était campé dernier jour ça face à président dominicain Luis Abinader monsieur montrer le son vrai haïtien un vrai patriote donc bon Claude Joseph pas oublié monsieur c'est bon ami Martine Moïse mais dans ça nèg a fait là dernier temps ça là dans nouveau gouvernement ça ben yo retiré presque tout ou bien tout le monde qui était proche Jovenel. En tout cas, dans balayage ça, dans nettoyage ça, l'étape difficile pour Okembe Claude Joseph qui sont pion tout de Laurent Lamotte selon un pile monde et Laurent Lamotte à Martelly, ayo pas fin toi. Pas parler toi l'amour passer ça sous terrain politique là. On bien dit sous terrain politique là. Donc, est-ce que nous voyons qui j'en bataille politique là raide? Est-ce que nous voyons qui j'en bataille politique là lui-même, lui du, lui pas douce du tout? Zinagio, c'est pion cap déplacé. C'est un jeu d'échecs. C'est pion cap déplacé. Kounya la, gon question de rapport de force tout. Actuellement là, ben, pouvoir, li gen yon parti qui contrôlé par Michel Martelly, ou l'autre parti, ou gen des membres de l'opposition. On parti de l'ancienne opposition, qui n'a pouvoir ça, qui n'a gouvernement ça, fanatique, Joe Canel, Journal 9. C'est comme ça, situation. Mais gen moun qui dit, bon, qui le nèg a fait pays? Pour moun ki pauvre. Quel est nèg yo fè pays pour masse défavorisée? Quel est nèg yo fè pays parce que nan Jean Bagay yo là, c'est séparation gâteau, nan Jean Bagay là il là, c'est défendre clan, défendre poche, sauf façon pour nèg vinn pirige, vinn fè cob pour aller dans élection ou bien pour toujours kembe pouvoir, mais pas rien qu'a fait vrai pour construire l'école, construire route, l'hôpital, université, réduire la misère, créer travail, pas rien bagay ça ou qu'a fait pour population. En pile moun dit c'est puis bah cap toujours foulé c'est peuple cap toujours foulé l'autre nèg ça au même y a toujours dans beurre yo y a toujours dans bol graisse yo en pile monde pas content façon Michel Martelly campé même j'ai grand pile monde qui shootait tout sous secteur démocratique là on dit qu'est
Monsieur ça pas une colonne vertébrale pour jeunes ça qu'on a critiqué Martelly et puis il y a il y a un gouvernement côté que Martelly qui des représentants là-dedans ils font alliance à Martelly et qui dit monsieur politicien ici de vrai gen moun c'est comme ça on parlait Joe Canel journal 9 ou connaît nous-mêmes journal 9 là il tout côté là chercher information bonjour information porter pour vous informer ou connait formule là déjà si vous pouvez abonner à channel ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'à encourager bel travail ça. N'a pas campé là avec vidéo aussi là.